Hello tout le monde, aujourd'hui, unboxing. Alors, je vous réserve aussi une surprise pour la fin de la vidéo. Pour le moment, je dirais. Je sais pas par commencer, allez, on va commencer par celui-là. C'est parti. C'est du Pokémon Pikachu. Encore Pikachu. Alors, on va regarder ça tout de suite. Wow, il s'agit d'un pantalon. Par contre, il y a juste un petit problème, les gars. À mon avis, niveau taille, ça fait pas du tout. Du coup, bah, je serais obligé de le revendre. Ah, c'est dommage, je suis deg. Il était beau, hein, sinon. Regardez. Ah, j'adore le décor et tout. Bon, dommage pour celui-là. Déçu. Je vais mettre la bonne. Ah, parce qu'après, ce qui est vêtements via internet, c'est assez chaud, quoi. Mieux essayer, mais bon, on trouve pas ça partout, quoi. C'est ça le truc. Alors, go, c'est parti pour le deuxième colis. Bon de réduction, bon de réduction, bon de livraison plutôt. Je confonds tout, moi. J'existe quand même, c'est pas que ce soit pas géant. Ouais, c'est pas géant en plus. C'est un mug. Un mug Pikachu. Je vais l'enlever du truc. Ah, elle est trop belle. En plus, c'est ma fleur préférée. En bleu. Attendez, je vais éclairer mieux que ça. Ça va pas très bien. Voici la tasse Pokémon. Elle est belle, hein? Avec Sacha et Pikachu. Ouais, elle est trop belle, j'adore. Je valide. Ah là, je valide celui-là, ce produit-là. Donc, on va passer au suivant. On met ça par terre. J'en ai un aussi, j'ai laissé dans mon sac à dos, il faudrait que j'aille le chercher. Il était plus petit donc. Après, je ne sais plus c'était quoi, bon, on va voir. Ça fait pareil, plus de bois. Alors, c'est parti. Pokémon encore. Ah, je vais faire ça. Prêt. Voilà. Donc en fait, pour ranger les cartes devant, j'ai plein de trucs comme ça là. Ah bah, il y en a un deuxième. J'en ai deux. Ils sont super beaux, je trouve. C'est leur pensée que je les ai pris. Le plastique. Voilà. Ah, par contre, je crois que je veux une machine comme ça. Voilà, ça se met comme ça. Alors, voilà. Et dedans, hop, pour ranger les cartes Pokémon. Après, moi, je fais pas trop les cartes Pokémon, mais bon, j'en ai quand même quelques-unes, quoi. Parce qu'un fan de Pokémon, c'est doit avoir les cartes Pokémon quand même. Oh là, l'arrière, j'aime beaucoup, il est très joli. Le dos, il est comme ça, et voilà, j'adore. C'est un petit effet, je sais pas, on dirait que ça a été fait par un artiste, hein, on voit peut-être pas très bien sur la caméra. Mais ouais, c'est original. Bon, je le trouve très beau. Et l'autre. Et voilà. Le deuxième livret pour ranger les cartes. Ok. Il est super beau. Et dedans, pareil, pour ranger les cartes. Hop. Donc, je sais pas, il y a à peu près, je pense, une quinzaine de pages de plastique. Moi, j'ai pas compté, après 15 ou 20 je dirais, environ. Et derrière c'est le petit Mewtwo. Bon, franchement il est beau lui aussi, la personne j'ai pris, hein. J'aime beaucoup. En plus ça tombe bien, j'avais des cartes Pokémon qui traînaient là, je vais chercher ça, c'est déjà foutu.
J'en ai quelques sons qui traînent ici. Après, la plupart de mes cartes Pokémon, je les ai pas avec moi ici. Il faudrait déjà aller chercher un de ces cartes, donc pour le moment, bah, je peux pas, parce qu'il faut que j'attende que je déménage. Il faut que je déménage, donc voilà. Voilà, je vais vous faire voir mes cartes, je vais en profiter. Je pense que je les ai même avec dos ce genre. Donc, électeur. On reconnaît l'arrière. Hop. Corvorex. Non, c'est pas des cartes super rares hein, que j'ai, hein, c'est classique quoi. Lui c'est Scarabout, j'ai même pas besoin de lire, hein, je le sais. Voltorb. J'ai Meowth version fille, je pense. Dalola. Ah non, c'est Meowth d'Alola. Starry. Ramolos, tout ça c'est des Pokémon que je connais, c'est plus les nouveaux Pokémon, je connais pas du tout. Insecator. Chétifleur. Après moi je suis pas très fan de l'anime de Pokémon Soleil et Lune. Je préférais ceux d'avant. Et j'ai Triopicker d'Alola. Oui c'est ça, je vérifie au cas où, non, que je dise pas de bêtises, mais c'est bien ça. Magmar. Et Sulfura. Donc il manquait plus que Articodin pour avoir les trois oiseaux légendaires. J'ai Electra et Sulfura. Mais après Articodin je l'ai peut-être dans mes autres cartes. Ben ceux-là, je vais en jouer dedans. Ils étaient dans des sachets comme ça, donc je sais plus si c'était un McDo, il me semble que c'était un McDo. Hein. C'était dans des sachets comme ça, j'ai gardé les sachets. Je les garde les sachets, ils sont jolis. Ah, quand c'est Pokémon, c'est Pokémon. Hein. J'ai du mal à acheter les emballages. Bon, mais je vous rassure, ça par contre, je vais tout jeter quand même. Alors, donc il nous reste encore un colis. Je vais aller le chercher dans mon sac. Donc, me revoilà avec le dernier colis. Je vais l'ouvrir comme ça. Voilà. Bon, le pantalon, je sais plus combien j'avais acheté, mais il faudrait que je revoie dans l'historique. Je remettrai avant. Alors, c'est parti. Ah! Alors là, par contre, c'est pas du Pokémon. C'est une carte mémoire. 128 MB. J'en avais besoin pour parce que pour ma PS1 et pour ma PS2, là. Parce que, en fait, bah, j'en ai des cartes mémoire, mais elles ont pas beaucoup de mémoire, justement. Donc là, j'ai pris justement une carte avec beaucoup plus de mémoire. Comme ça, parce que là à chaque fois j'ai des problèmes, j'arrive pas à sauvegarder toutes mes parties et tout, donc du coup je me suis pris ça. Alors par contre il y a écrit PS2 dessus, je sais pas si ça marchera sur la PS1. Donc j'éteins la caméra et on se retrouve tout de suite. Et voilà, c'était ça la surprise. Et le livreur il est arrivé pile poil quand j'avais fini la première partie de la vidéo. Donc bah, je suis trop content, je vais me régaler. Je vais vous faire recommencer dedans. Tintin! Donc c'est sauce samouraï, et merguez, crème fraîche, tout ça. Trop bon. Et ouais, du coup j'ai une réduction, donc ça m'a pas coûté très cher. Bon par contre j'ai pas pris de boisson ni rien, parce que disons que les canettes elles sont pas données quand même. Hein. Bon voilà. Mais Pizza Hut c'est trop bon là-bas ce qu'ils font.
Et ben maintenant, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!